comme vous l'avez dit, c'était une victoire importante de gagner sur toi à domicile. Ça rapporte 2500 points donc, pour le classement mondial. Donc voilà, encore une étape de franchie pour notre qualification. La route est encore longue, mais voilà, on est bien lancé et on espère continuer cette lancée justement pour voilà, assurer notre qualification et pouvoir représenter l'Algérie l'année prochaine à Paris pour les JO en 2024. Oui, bah c'est vrai, c'est important. Après, je n'ai pas grand-chose à rajouter de ce que mon frère il a déjà dit, mais c'est vrai que c'est important pour nous. Déjà, ça fait plaisir de gagner une compétition, encore plus quand c'est à domicile. Et bah, comme dit, ça nous permet de gagner pas mal de points pour nous rapprocher de notre objectif qui est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est cool que l'Algérie ait organisé un tournoi international. Ça faisait quelques années que je n'avais pas organisé. C'est bien que les athlètes ont gagné les points pour le classement mondial pour s'améliorer. Donc voilà, pour améliorer le classement mondial et le niveau. Alhamdoulilah, nous sommes à la première fois dans l'Open Hada International qui a organisé au Algérie. Ça a aidé beaucoup à l'Olympiade à Paris. النيفو كان نيفو عالي ما كناش نستناو بزاف لي زيكيب يجو يبارتيسيبيو لهاد الدوره هاد الدوره اللي داروها كيما حنا طحنا مع لي بولوني لي سويس مع تاوعنا ثاني الحمد لله قدرنا نتغلبوا عليهم ودينا ميدالية ذهبية. Alors je voudrais juste souligner le très 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 bon accueil des organisateurs. Donc très accueillants, bienveillants, qui sont toujours vers nous pour nous demander si on avait besoin de quelque chose. C'était vraiment parfait. Alors moi le niveau j'ai trouvé très relevé, surtout en simple homme et puis en double homme et mixte. Les gagnants ils étaient très très solides, donc le niveau était très fort. Ouais. Alors l'organisation elle est parfaite, ils sont très accueillants, donc nous on n'a pas le problème avec ça. Ils sont très bienveillants avec nous. Absolument, l'objectif actuel de la fédération c'est d'encadrer les athlètes, les doubles hommes et les doubles mixtes, d'arriver à la qualification des JO de Paris. En ce moment ils sont dans un classement de qualification, ils sont qualifiés, mais vous savez, il y a d'autres opens qui les attendent, d'autres points à gagner, et la bataille n'est pas gagnée, ils le savent très bien, ils savent que c'est une lourde responsabilité, ils savent que les pouvoirs ont donné tous les moyens et on remercie. Donc on espère que d'ici le mois de mars, ils parviendront à réaliser cet objectif pour l'Algérie et pour le badminton algérien.